Les deux 6 ans de la maison de quartier des Huttes ont fabriqué des lanternes pour Halloween. C'est une petite lanterne en citrouille faite de carton avec un petit gobelet à l'intérieur qui pourront mettre une fausse bougie sans flamme avec une anse qui pourront transporter le jour d'Halloween. Parce que le soir d'Halloween, il fait noir, donc comme ça, ils ont une petite lumière avec eux et comme ça, ils ont moins peur. L'occasion pour ces enfants de découvrir la tradition d'Halloween, de travailler le coloriage et le collage, mais aussi de s'autonomiser. Ils fabriquent eux-mêmes leur lanterne, parce que d'habitude, c'est soit les parents qui sculptent les citrouilles, mais là, on a voulu que ce soit les enfants qui le fabriquent eux-mêmes. Mercredi prochain, ces enfants fabriqueront également un petit panier pour accompagner cette lanterne. L'objectif, faire honneur à la tradition d'Halloween. Le vendredi 31 après-midi, avec les animatrices de l'après-midi, ils vont sillonner le quartier à la recherche des bonbons. Du coup, ils prendront leur petit sac pour les bonbons, plus la lanterne, pour aller frapper aux portes, pour avoir des petits bonbons et tout. En dehors de cette sortie avec Atouville dans les rues des Huttes, cette activité permettra à ces enfants d'être déjà équipés pour participer avec leurs parents à la distribution de bonbons et au défilé d'Halloween, qui se dérouleront ce vendredi 31 octobre à partir de 17h à la Seine-Vauban de Gravelines.